Donc vous l'aurez compris, l'un des secrets donc de cette MGZS Hybrid Plus, c'est ce qu'il y a sous le capot. Ce qui est le plus délirant, c'est que pour moins de 23 000 euros, vous avez 197 chevaux. Alors, ils proviennent d'où? Ils proviennent tout d'abord d'un petit moteur 4 cylindres essence à cycle Atkinson, c'est très important. Pour en savoir plus sur ce fameux cycle de combustion très particulier, il faut aller sur la revue automobile, vous aurez des explications. Et il est associé à un moteur ici électrique. Électrique de 136 chevaux, alors que le petit moteur thermique essence se contente de 102 chevaux. Ensemble, ils produisent l'équivalent de 197 chevaux et 250 Nm de couple. Dans la fiche technique, il est dit que le 0 à 100 est fait en 8 secondes 7. Comme ça, ça paraît pas énorme. Et bien, dans les faits, en effet, c'est largement suffisant pour un SUV familial, compact et tout qui va bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais pourquoi 200 chevaux, si peu de puissance, en tout cas dans le 0 à 100? C'est parce que ce moteur a une particularité qui fait toute la différence. C'est que le moteur thermique va surtout s'occuper des hautes vitesses. Et quand il va tourner pour régénérer la batterie qui est cachée dans l'habitacle et dans le coffre qui fait 1,8 kWh. Pourquoi? Parce que c'est le moteur électrique qui va propulser quasiment à 98% des cas jusqu'à 60 km/h en full électrique, même s'il n'y a plus d'énergie dans la batterie. Donc c'est le moteur thermique qui va tourner, générer de l'énergie pour la batterie, alimenter le moteur électrique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la boîte de vitesse se contente seulement de 3 rapports, parce qu'elle s'enclenche, en effet, que à haute vitesse. Et c'est ce qui fait qu'elle a des capacités en ville de consommation très basses. Et ça, on va le voir juste après.